En direct, on est à Perpignan Place Rigaud, mais l'événement que représentent ces deux jeunes hommes, large d'épaule, bandit insolent et drôle, qui attendent que la mort le frôle sur route encore. On remercie Lavillier d'ailleurs de nous aider à commencer cette interview. Donc ça va se passer en fait à Banyuls, au domaine de la rectorie, où Jean-Emmanuel Parcé et Yvan, mais je ne me rappelle plus son nom de famille, Yvan quoi ? Yvan Schreck. Donc, un qui est plutôt réalisateur et qui s'occupe du marketing, un qui peint. Est-ce que tu travailles le vin aussi ou... Oui, je fais un peu de vin aussi. Oui, de toute façon, dans la famille, si tu ne travailles pas le vin, tu es noyé tôt, comme un petit chat. Donc, ils ont décidé de créer lundi prochain, à partir de 18h, un festival, enfin, ce qui va peut-être devenir un festival, on le saura s'il est reconduit dans l'épisode postérieur, qui est plutôt autour de la chanson, même si on commence par du rock progressif. Alors, messieurs, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, lundi prochain, de le domaine de la rectorie ? On va commencer par quoi comme mise en bouche ? Alors, c'est un événement qu'on a envie de... Ça faisait quelques mois qu'avec Yvan, on voulait programmer sur la rectorie. Parce qu'au domaine de la rectorie, on fait du vin, mais oui, on a toujours aimé aussi allier l'art et le vin. Oui, notamment avec Pierre Parcé. Oui, Pierre qui est photographe de belles expos. Et mon père qui est pianiste, voilà. Et qui a accompagné Thérèse Rebouille pendant une vingtaine d'années. Voilà, la chanteuse catalane qui était la compagne d'un dirigeant du Poum, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Oui. Et donc du coup c'est quelque chose qui nous tient à cœur de toujours allier, de faire des événements autour du vin et de la culture, de l'art. Et donc là ça se passe lundi. 19 août, ouais. À la cave de vinification de la rectorie, au numéro 28 avenue du Puy-d'Elmas. Et donc ça commence, ouverture des portes à 18h, et on commence avec le groupe J'en sais rien qui fait du rock progressif. Ouais. Les gens sont invités à manger sur place. C'est le chef Jean-Louis Hernandez qui va préparer à manger. Et son collègue, dont malheureusement j'ai oublié le nom là tout de suite, ouais, ça m'embête. Mais en tout cas, il est super. Et ensuite, il y a dégustation de vin. Parce que donc Hernandez, il est des 9 caves. Hein, alors, c'est l'ancien cuisinier des 9 caves. Voilà. Et Laborie, il s'appelle. Voilà. Monsieur Laborie, voilà. L'autre, le collègue. Et celui qui a fait l'éloge de la fuite, non, rien à voir. Ce qui va se passer, c'est que l'idée, c'est quand même une dégustation. Donc, c'est une synesthésie, hein, voilà. Musicale, on va dire. Voilà. Et les gens peuvent déguster tous les vins, toute la gamme des vins du domaine de la rectorie. Et le programme pour cette soirée, ça commence avec J'en sais rien. Ensuite, on a Simon Dalmet, ouais. Qui est un jeune chanteur, auteur, compositeur. Qui va faire un récital piano-voix. Et là, c'est plutôt de la chanson, on va dire, plutôt anglophone. Ça fait penser un peu aux Beatles. Mmh. C'est vachement bien. Au passage, c'est le frère de la chanteuse Camille. Ouais. Et ensuite, on a Gaspard Claus, qui oui. va faire... Donc, c'est le... Le fils de Pedro Soler. Voilà, c'est qui n'a qu'à descendre du Massot dessus, en gros. Bah, et je pense qu'il va venir en moto. Et il ne faudra pas qu'ils boivent trop parce que pour revenir ça sera compliqué. Oui, vaut mieux pas. Et donc il fera un peu ce qu'il fait avec son violoncelle, avec quelque chose d'assez. Avec lui, Romain. Avec Romain au piano. Ouais. Et ensuite on a un gars qui s'appelle Frank Williams qui fait de la chanson guitare-voix. Là c'est plus rock, on va dire. Guitare sèche ou électrique ? Guitare plutôt folk. D'accord. C'est vachement bien, c'est vraiment très sentimental, très émotif, et puis en même temps avec une voix un peu rocailleuse, un peu Tom Waits, c'est vraiment super. Et moi je l'avais vu à Paris, on avait organisé déjà un premier concert à Paris autour du domaine de la rectorie aussi, et il avait joué, c'était super. Et puis ensuite on a Thierry. Thierry qui fait de la chanson. Thierry, il a un nom ou il s'appelle juste Thierry ? Thierry Parcé. Ah oui, son père, oui, si il me semblait. Oui. Qui va sortir un album. Ouais. D'habitude, il fait que du piano, mais là, il a composé des morceaux
fait piano-voix. Piano-voix aussi. Voilà, donc il a composé pour le coup, c'est une création. Voilà. Et ensuite, on a un groupe qui s'appelle Grossmeisterfleisch, qui vient de Bavière. Ouais. Et qui va faire un truc de dingue. Et c'est la première partie de Rodolphe Burger. Et c'est assez mystérieux. C'est, on peut pas trop en dire. Ouais. Mais là, on est plutôt dans les sons un peu électro, funk, psychédélique. Voilà, Grossmeister. Grossmeisterfleisch. Oui, mon allemand, c'est un peu perdu depuis 45. C'est entouré de mystères. On sait pas trop ce qu'ils vont faire. D'accord. Et je pense que c'est une bonne surprise. Est-ce qu'on a parlé de Rodolphe Burger déjà? En fin de soirée. Ah, enfin! En fin de soirée, enfin! Nous avons l'énorme privilège, l'immense privilège d'avoir Rodolphe Burger. Ouais. Qui est quand même un type qui a 40 ans de musique. Panégyrique de cet animal, 40, si je veux dire. 40 ans de musique derrière lui, qui a commencé avec un groupe qui s'appelle Catonoma, qui était assez. Voilà, qui a eu son heure de gloire vraiment dans les années 90. Et puis après lui, il a poursuivi une carrière solo qui est très belle et assez transversale, comme ça, où il a autant composé, réalisé des albums, joué pour le théâtre, pour le cinéma, et qui a un son de guitare qui n'appartient qu'à lui, et que je vous invite à venir écouter au domaine de la rhétorique. Voilà. Il y a aussi le batteur. Et le batteur, Calpini, bien sûr, Christophe Calpini, qui a aussi joué avec Bachung, avec tout un tas de gens comme ça. Et un bassiste qui s'appelle Vulzor, qui était à un moment le bassiste de Jamie Jamiroquai au début, et qui accompagne Rodolphe et Grossmeisterfleisch. Voilà. Et peut-être une surprise sur la fin du concert. Nous aurons peut-être l'immense joie d'accueillir. C'est bien, fait des déferlements de tambour. Le suprême. Il viendra en hélicoptère. Pour deux morceaux, il viendra ou pas, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est un secret, s'il faut le dire ou pas, mais bah vas-y, dis-le, c'est un type qui s'appelle Babix. Mais peut-être qu'il vient pas, on verra. Alors, qui est pianiste aussi et qui fait la chanson. Chanson française. Voilà, et ça nous amène sur une grosse soirée musicale assez. Alors, ça coûte 15 euros. Consistant. C'est 15 euros l'entrée, c'est pas cher. Plus un verre. Plus un verre de vin offert. Et à vous, après, vous aurez de l'argent à dépenser. Non, nous, on rembourse les frais. C'est pas du tout un événement pour nous faire de l'argent. D'ailleurs, les artistes viennent gracieusement et on les en remercie parce qu'ils aiment bien le vin de la rectorie. On vous remercie. On vous remercie, les deux gars. Hein. Venez donc, nombreux. Donc venez nombreux. Lundi prochain, 18h, est-ce qu'il faut faire des réservations? Parce que la jauge, c'est mieux. Elle est entre 150 et 200 quand même. Donc, ouais, c'est mieux de réserver. Et il y a un numéro où on peut réserver? Oui, 06, je le donne. Ouais, vas-y. 06 63 17 15 36. 06 63 17 15 36. Eh bien, je crois qu'on peut mettre fin à cette formidable interview. Ciao. À bientôt.